Allez! Allez, allez, allez! Oh, mur invisible, youpi! Je sais pas ce que c'est, ce œil rouge. Si ça doit être pour si on me voit ou pas, je sais pas. Meurs dans notre grosse souffrance. Bon. Alors, encore des loups. Pierre, c'est bien. Fais-moi face comme un homme. Il y a un loup, d'accord. On va pas jouer sur les mots. Je suis à court. Oui, hein. Par ici, il n'y a rien du tout. Bon, c'est bien, on change un petit peu d'environnement. Là, on passe truc un peu désertique au mont enneigé. On va d'abord le tuer là. Je jongle entre deux sauvegardes, comme ça j'en ai une sur laquelle je peux revenir si jamais il y a un souci. Alors, poui poui poui, viens par là. Piti piti piti. Ça consomme. Ah, maintenant on a le Yeti. On avait le Bigfoot dans la forêt et maintenant on a le Yeti. Mais oui, Tintin. Les deux d'un coup. Alors, typiquement, ce que je disais, si j'arrive à le faire. Oui, c'est ça, tape ton copain. Ah, ça a pas marché. Allez, prends un truc, voilà, tape dessus. Ouais. Oh, bah ça a pas marché non plus. Des fois ça marche et il arrive à le jouer. Ah, il se tape l'un l'autre. Aïe. Il donne pas grand chose, hein. Oh là 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 là. Je vais pas m'arrêter plus en courant, mais... J'aime bien le bruit d'énergie. Au moins comme ça, je suis sûre qu'après... Ah, je suis bloquée. Non, c'est bon. Là, techniquement, pour enregistrer, j'enregistre avec. J'enregistre sur le PC. Et du coup, je regarde le truc sur le PC. Et je sais pas pourquoi, je pense pas à regarder en haut le truc de vie. Alors que quand je joue sur la télé, je le regarde. C'est assez bizarre. Alors ça va, il n'y a pas trop de décalage. Tant mieux. Parce que... Alors ici, je sais pas pourquoi je suis rentré là, parce qu'en fait, il y a plein de loups et il n'y a rien d'autre. Je suis bête. Bon, on va y aller en courant.
Ah non, 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 on va pas y aller, Franck. On va aller ailleurs. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. On utilise énormément de potions pour finalement pas grand-chose. Donc. Tu arrêtes, ça suffit. Je veux pas jouer au bout de avec toi. Là y a rien. Bon, mais là, je suis un peu bloqué dans le décor. Parce que là, je peux pas aller plus loin. Ça mêle le sommet de l'œil ardent. Mais avant, il y a deux autres endroits où il faut que j'aille. Qui se trouvent sur les côtés. Il me semblait. Non? Ah non, c'est pas ici. Donc il faut bien que je monte. Allez, tu vas ou tu vas pas? Regardons vite fait. Bien. Alors. Procédons par ordre. Droite. Là, il n'y a rien. Si, là, il y a. Mais c'est pas ici. Ici. Je peux tourner la caméra. Ça, c'est cool. Ici, il y a plein de trucs. Par contre. Ne pas taper sur ces tonneaux là. La vidéo d'hier, j'ai tapé dessus comme une andouille et je suis morte. C'est marqué, hein, allumé. Sauf que je me suis précipitée dessus. Par contre, ici c'est bien, il y a plein de trucs. J'aime bien l'aspect de la glace. Je trouve ça sympa. Ça miroite, c'est beau. Oh, une zone calme, ça fait du bien. Bon, allez, on est reparti. Aïe. Ouais, j'ai gagné le niveau. On va faire ça tout de suite.
Qu'est-ce qui vaut mieux? La force ou la constitution? Plus un point de vie par niveau, régénération de santé plus rapide. Ouais, ben, je préfère la force. Alors, là j'hésite. Soit j'augmente des trucs, soit j'attends. Pouvoir par exemple utiliser boule de feu. C'est peut-être ce que je vais faire. J'attends d'avoir des points supplémentaires. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est ça, tape. Ah mais non, là il m'a tapé mort. C'est ce que je voulais. Bon, il est trop lent, là. Tu permets? Ah, ça n'a pas marché non plus. Ça marche jamais ces trucs là de toute façon. À part quand je l'allume par inadvertance, c'est que c'est moi qui l'utilise. Ah, ça marche. Ah, vous avez vu? Il a été ralenti parce que c'est pris une des pierres de votre. Voilà. Allez, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Une dague. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Si, des sous. Là, on peut pas. Des flèches. J'utilise jamais mon arc. Un cimetière. Et non pas un cimetière. Cimetière, c'est un livre de Stephen King. Il y a aussi eu le film. J'avoue que c'est bien dégueulasse. Oh, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas pu le regarder en entier. Je devais avoir quoi? 10-12 ans, c'est ma soeur qui avait ramené ça. Mais je me suis planqué derrière le canapé au moment où le gamin est passé sous le camion. J'ai essayé de le revoir il y a pas longtemps, mais c'est toujours. Toujours aussi horrible. Avec le chat psychotique et. Oh non, c'est horrible. Mais il y a pas beaucoup de bouquins de Stephen King qui ont été bien adaptés au cinéma, je trouve. Il y a eu Carrie. Je suis qui était pas mal. Charlie aussi.
Mais par exemple, si vous prenez The Dreamcatcher, je trouve que le film est pas terrible comparé au livre. C'est beau pourri en lisant le bouquin. Même si c'est un truc d'horreur, qu'est-ce que j'ai ri. Ah, j'ai plus de potions du tout! Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ah oui, effectivement. Hop, un petit rappel. Avec la fouine merde et tout. Non, mais vraiment, faut le lire, faut le lire. Si vous avez vu le film, honnêtement, lisez le bouquin, hein, il est beaucoup mieux. Réjouissez-vous, vous êtes à l'endroit idéal pour vous délester de toute Qu'est-ce que votre je lui or. vends? Ça, je lui vends. Ça, je lui vends. Ensuite, ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça Je peux vous aussi. Ça aider. aussi. Et on va acheter. Ah, j'ai plein de sous. Je peux acheter plein de trucs. Donc, ça. Vous cherchez quelque chose en particulier? Je sais pas combien j'en ai pris. Blablabla. Ça fait beaucoup, mais j'en suis à 33 le plus meilleur 8, acier 14, à non. Vous Oh, pouvez me faut que je croire. reprenne des comme ça. Faut que je reprenne des potions dans une génération. Je ne peux rien porter de plus. Des T'es chiante. Donc on sauvegarde. Et on repart. Voilà. Mais Stephen King, s'il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est de lire la saga de la Tour Sombre. Parce que ça sort du domaine de l'horreur dont il avait l'habitude. Et c'est vraiment. C'est vraiment intéressant. Bon, il y en a un qui est chiant, c'est le chant de Susanna. Non, mais j'ai trouvé chiant celui-là, cet homme-là. Mais le reste, le pistolero, j'ai recommencé par le pistolero, le premier bouquin. Il est pas bien long, et ça vous met déjà dans l'ambiance. C'est un espèce de mélange de différentes époques. De parcours initiatique en plus de ça, enfin bon, non, pas encore. Il y a le nain qui est quelque part par là-bas dans une grotte. Il y a pareil, si vous voulez lire du Stephen King qui est pas de l'horreur, il y a l'œil du dragon. Donc, ça, c'est plus un truc fantastique médiéval. Voilà. Sinon, après, vous avez toutes les recueils de nouvelles. Ça permet d'en lire sans avoir. On peut passer des trucs. Je sais plus lequel c'était. Brume ou un truc comme ça. C'était Marche ou Crève. Donc moi qui aime faire de la randonnée, je peux vous dire que. Ça et la petite fille qui met Tom Gordon, c'est pareil. Une gamine qui se retrouve perdue au milieu des bois. Poursuivie par une espèce d'ours, je sais pas quoi. L'ouest du sommet, non, pas encore. C'est pas celui-là. Il y a une autre zone avec une grotte où on trouve un des nains qui était parti en expédition. Mais je me trompe peut-être. Ouais. C'est pas grave.
pourquoi tu t'excites, toi. Ah, mais si. Voilà. Et quand il est gelé, hop, il suffit d'un coup pour le... Quoi? Mais non. Ah, j'ai mon écran qui s'est mis en veille. Non mais là... Ah, ben voilà. Ok, bah je suis conne, j'ai la télé à côté, mais bon. Donc on reprend. Ah là là, tout ça pour rien. C'est abusé. On va faire un petit peu de ménage, comme ça j'aurai la paix quand je voudrais y aller. Allez. Donc non, je vais pas encore y aller. Mais au moins j'ai dégagé le terrain. Et je vais enregistrer tout de suite. Je sais, j'enregistre souvent, mais alors vu le nombre de fois où je meurs, je pense que c'est indispensable.